Ouais frérot, cache, t'as vu là. Je vais enchaîner les contrats frérot, je vais redescendre. Le sang, je vais remonter à Paname. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Sur la vie de ma mère, à dire je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. La vie de ma mère. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue, nous allons raconter l'histoire d'une personne ayant fait grand bruit dans les médias ces derniers jours, l'histoire d'un jeune de 18 ans, qui a sombré dans les bas-fonds les plus sombres de la criminalité. Je veux bien évidemment parler du tueur à gages de la DZ Mafia, Matteo. L'histoire de Matteo est probablement l'histoire la plus choquante que j'ai abordée sur la chaîne, une histoire atypique, celle d'un jeune d'une petite ville des Bouches-du-Rhône, devenu un tueur sanguinaire, assoiffé de sang, malgré son âge extrêmement jeune, une histoire qu'on n'aurait jamais cru voir un jour dans un pays comme la France, mais comme souvent, la réalité a fini par dépasser la fiction. Le sicario de la DZ Mafia, Matteo, voici son histoire. Matteo est originaire de la ville de Gardanne, une petite ville située dans le département des Bouches-du-Rhône, non loin de Marseille. Je n'ai pas beaucoup d'informations concernant son enfance, tout ce que je sais c'est qu'il a un petit frère et une petite sœur qu'il apprécie beaucoup, et que ses parents n'ont pas été très présents dans sa vie. En effet, sa mère ne se préoccupait pas trop de lui, tandis que son père était un Corse qui avait plutôt une bonne situation, un yacht, un restaurant, mais il a divorcé avec sa mère, du coup Matteo s'est retrouvé livré à lui-même, il ne voyait pas ses parents, il était clairement sans repère. Le jeune Matteo se retrouve donc à traîner dans les rues, et, à 14 ans, il sera employé comme dealer dans la cité des Canourgues, à Salon de Provence. À cette époque, c'est-à-dire en 2018, dans la cité des Canourgues, se trouvaient deux points de deal, le point de deal du bâtiment U, et celui de la Renaissance. Un des points de deal appartenait à un certain Lazare, tandis que l'autre appartenait au clan de Marignane. Matteo travaillait donc pour le réseau de Lazare, cependant, dans la cité, un troisième réseau s'est implanté depuis environ un an, il s'agit de celui de Mansour. Mansour, 45 ans, avait créé un nouveau réseau dans la cité des Canourgues, et, avec le temps, son réseau commençait à prendre de plus en plus d'ampleur, et faisait donc de l'ombre à celui de Lazare. Lazare, ainsi que son associé, Amar, prépare alors un plan afin de se débarrasser de Mansour. Le 2 juillet 2018, à 23h30, Mansour se trouve sur un banc de la cité des Canourgues avec un autre jeune, nommé Yacine, quand tout à coup, une Clio RS blanche déboule dans la cité, un homme armé d'une Kalachnikov sort du véhicule, l'homme vise Mansour et Yacine, et tire une rafale en direction des deux hommes. Yacine, atteint à 4 reprises, décède sur place, tandis que Mansour, atteint au thorax, décédera à l'hôpital. Les tueurs prennent ensuite la fuite, la Clio sera retrouvée incendiée. Le jeune Matteo, 14 ans, a directement assisté à la scène, il a vu les deux hommes se faire tuer sous ses yeux, par son patron. Quelques mois après cela, tout le réseau de Lazare sera arrêté, dont Matteo, qui malgré son jeune âge sera quand même arrêté pour trafic de drogue. Matteo sera condamné à 2 ans de prison, il se retrouve alors dans une prison pour mineurs. Après sa peine purgée, Matteo sera envoyé à Paris par un grand de son quartier pour faire des livraisons de drogue, avec un associé à lui nommé Zer. Matteo se retrouve donc dans le 94, à Vitry-sur-Seine, et il sera par la suite engagé en tant que sécurité par la même personne dans une cité à Marseille, une cité tellement chaude que personne ne voulait faire la sécu là-bas. Matteo fera alors des allers-retours entre Marseille et Paris, et traînera alors dans la cité de Mario Capra, à Vitry-sur-Seine, la cité que l'on peut voir dans le clip pour ceux, de la mafia Quinfri. Pirates du bitume, tout petit peu sur côté.
Cependant, après quelques temps, tout le réseau du 94 pour lequel il travaillait sera arrêté, la police retrouvera de la drogue et des armes, Matteo va décider de tout mettre sur lui afin de protéger son patron. À la suite de cela, Matteo sera condamné à 1 an de prison dans l'établissement pour mineurs de Villepinte, dans le 93. Un jour, son éducatrice est venue de Marseille afin de le récupérer et de le ramener dans le sud, mais, Matteo profita du premier feu rouge afin de s'enfuir et disparaître dans la nature. Il sera donc sous mandat d'arrêt, et se fera rattraper quelque temps après dans le 94, avec de la drogue sur lui. Matteo retourne alors en prison, mais cette fois-ci en prison pour majeur, dans la prison de Fresnes. Pendant qu'il était en prison à Fresnes, il a tenté de s'évader mais il a été rapidement rattrapé, voici la vidéo. Une fois sa peine purgée, Matteo se retrouve dans la nature, livré à lui-même, il retourne alors directement à ses habitudes dans le 94, il disait qu'il se sentait bien sur Paris, les gens l'aimaient bien, il aidait les dames à porter leurs courses etc. Matteo a fait énormément de dingueries dans le 94, du carottage, des saucissonnages, des fusillades en tout genre, c'était un véritable sauvage qui n'avait pas froid aux yeux, de plus, il était fasciné par le grand banditisme et avait des tendances suicidaires. Un soir, il sera contacté par une équipe montante sur Marseille, la DZ Mafia, qui lui disent qu'ils ont récupéré pas mal de terrain sur Marseille, et qu'il y avait pas mal d'argent à se faire. Matteo accepte, et se retrouve donc au milieu de l'enfer marseillais. À ce moment-là, la ville de Marseille connaît une guerre monstrueuse entre le gang de Yoda et celui de la DZ Mafia pour le contrôle de la cité de la Paternelle, des gens meurent de tous les côtés et des fusillades éclatent quotidiennement. Matteo va alors devenir l'arme de prédilection de la DZ Mafia, qui vont l'engager afin de mener plusieurs contrats d'assassinat sur les Yoda. Matteo va alors devenir la terreur des Yoda, et sera impliqué dans une grande quantité de meurtres. Parmi lesquels, le meurtre de la Paternelle le 28 mars, où Matteo aurait tué le gérant de Yoda à la Paternelle, son corps a été retrouvé seulement 2 jours plus tard par la police dans des buissons de la Paternelle. Matteo aurait ensuite tué un jeune devant la cité de la Morlette en l'assassinant de 17 balles de Kalachnikov. Matteo aurait ensuite tué Caïs et Djibril, 2 adolescents qui se trouvaient dans le territoire de Yoda, à la Joliette. Selon la police, Matteo aurait été responsable de 7 ou 8 meurtres, et aurait reçu 200 000 euros pour tous ces meurtres. Matteo devait se filmer afin de montrer à la DZ Mafia qu'il honorait réellement les contrats d'assassinat. Pas de hemze. Ça se prépare pour le contrat. Matteo sera arrêté peu de temps après le double meurtre de la Joliette. Lors de son arrestation, il aurait dit aux policiers que, s'il aurait été armé, il leur aurait tiré dessus sans hésiter, afin de mourir les armes à la main. Matteo n'a clairement pas peur de la mort, et n'a aucun égard envers la vie humaine. Près d'une supérette marseillaise, 2 hommes dans la nuit. Soudain, l'un d'eux sort une arme et ouvre le feu à bout portant. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Les faits remontent à mars dernier. La victime âgée de 22 ans n'a pas survécu. Le tireur, lui, prend la fuite dans ce véhicule, conduit par un complice. Autre fusillade quelques jours plus tard. 2 adolescents de 15 et 16 ans sont abattus en pleine rue. Derrière ces assassinats, la police soupçonne un homme, Matteo F., tueur à gages. Il n'a que 18 ans. Et dans une vidéo glaçante qui a circulé sur des messageries cryptées, il plaisante sans remords de ce qu'il appelle des contrats. Je vais enchaîner les contrats, frigo, je vais descendre. Sur la vie, on va dire que je me suis en train d'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler, la vie de ma mère. Ce journaliste a enquêté sur Matteo F. Il décrit le profil d'un garçon cynique qui agit tel une machine à tuer. Ce qui est confirmé par les enquêteurs qui l'ont entendu, cette espèce de fascination qu'il a pour ce métier qu'il fait, qui lui prétend que c'est un métier, cette fascination pour le banditisme, pour le grand banditisme, et une espèce de détachement total par rapport aux actes qu'il peut commettre. Lui prétend qu'il aurait gagné à peu près 200 000 euros sur l'ensemble de ses contrats, et en fait, il est payé pour tuer, c'est vraiment le véritable tueur à gages.
Et voilà où se termine cette sanglante histoire de Matteo, le sicario de la DZ Mafia. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, à Marseille, à chaque fois que l'on pense que l'on a franchi tous les stades, de nouvelles révélations encore plus choquantes apparaissent. S'il y a 15 ans en arrière quelqu'un nous aurait dit qu'un gamin de 18 ans serait responsable de 7 ou 8 meurtres, on aurait dit que ce n'est pas possible, et pourtant, c'est bien la réalité du monde d'aujourd'hui. L'histoire de Matteo est une histoire très triste. Bien qu'il ait commis des actes horribles, ça n'en reste pas moins l'histoire d'un gamin abandonné à lui-même dès son plus jeune âge, et qui n'a rien connu d'autre que la violence de la rue. Il est tout simplement le produit de son environnement. Je pense que le fait d'avoir assisté à la mort de deux hommes alors qu'il n'avait que 14 ans a grandement contribué à ce qu'il est devenu par la suite, un tueur sans foi ni loi, qui a malheureusement pris la vie d'un grand nombre de personnes, et qui s'est définitivement perdu dans sa folie. Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue.